Cette semaine, on est très heureux d'avoir avec nous Catherine Corsini pour son dernier film « Un amour impossible » qui vient de sortir en DVD. C'est le Pacte qui l'édite en DVD et en Blu-ray. On va parler du film, on montrera un petit extrait. La discussion dure à peu près 30-40 minutes. Et puis après, il y aura la petite dédicace qui sera près de la table, près de la caisse pour ceux qui veulent acheter des DVD et se le faire dédicacer par Catherine. Avant de parler du film, j'aime bien replonger dans des années en arrière et puis de voir un peu à l'origine d'où vient cette passion du cinéma, quelles sont les origines de la cinéphilie de l'invité, quelles sont les premières images de films, presque le premier film que vous avez vu en salle et ce premier lien, un peu peut-être une sorte de petite scène primitive de la cinéphilie comme ça, une scène marquante. Je vous prends un peu dépourvu. Non, en général pas. Non, parce que il y a les films qu'on voit quand on est très 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 petit où on vous emmène au cinéma, genre les Walt Disney, vous prenez peur, comme moi j'ai pris peur, je suis parti en courant. Mais j'allais dire le film peut-être qui m'a le plus marqué aussi, où j'ai eu très très peur, mais j'étais déjà jeune adolescente. C'est Le Locataire de Polanski, où pareil j'ai fait des cauchemars et des cauchemars et des cauchemars, voilà. C'est les films. Et je pense que la peur est une, comme certains films, même Hitchcock, m'ont fait peur par la suite, comme après d'autres films de Polanski m'ont fait peur. Je pense que c'est un très bon moteur pour créer, pour évacuer la peur, pour la comprendre, pour la domestiquer, pour essayer d'en faire quelque chose. Mmh. Voilà. Pendant ces années d'adolescence ou ces années de formation, quels ont été un peu les pôles comme ça, les cinéastes marquants ou au départ, moi, je voulais être actrice, donc j'allais voir des films plutôt en regardant les acteurs et les actrices. Donc, je regardais plutôt les films avec Marlène Dietrich, avec Greta Garbo, avec Bette Davis. Et puis ensuite, j'ai vu qu'il y avait des réalisateurs derrière. Il y a eu aussi, j'ai commencé tout d'un coup à m'intéresser à à une époque plus récente. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'était la Nouvelle Vague, c'était les films de Cazavetes, et puis c'était toujours les actrices, c'était Jean Seberg, c'était Anna Karina, c'était Gina Rowlands. Enfin bon, voilà. Donc c'est par les actrices, en les retrouvant, que j'ai commencé à apprécier les metteurs en scène avec lesquels elles travaillaient et à commencer à m'intéresser à la mise en scène. Et tout d'un coup, à découvrir aussi le cinéma beaucoup avec Jean-Luc Godard, parce que y avait... Alors vous avez suivi les cours de... Non, j'ai suivi les cours de Serge Toubiana après, plus tard, quand plus tard, mais c'était aussi avec le cinéma de Jean-Luc Godard, parce que je trouvais qu'il y avait tellement d'idées de montage dans ses films, la façon dont il s'emparait des textes et des collages. Donc il y avait vraiment une idée qu'on pouvait fabriquer un film presque tout seul en jouant aussi. Enfin, quand il disait le montage, le jeu et J-E-U, ouais. Il y avait vraiment une notion de jeu dans le cinéma de Godard qui pour moi était extrêmement vivante, extrêmement ludique ludique et qui me donnait aussi envie beaucoup de faire des films. Et puis après, il y a eu toute la période beaucoup plus... Je me suis retrouvée à faire un premier court-métrage. J'étais dans un festival où là, il y avait une rétrospective de tous les films de Truffaut. Et là, c'est la période, j'allais dire, beaucoup plus romanesque de la découverte de l'univers de Truffaut, qui au départ me paraissait un cinéaste peut-être plus bourgeois, mais qui tout d'un coup m'a complètement éclairé sur le rapport aussi à la littérature, mais d'une manière, j'allais dire, effectivement, en redécouvrant ou en relisant les œuvres de Balzac, sur la notion d'époque, d'inscrire, quand on voit Douanel, l'époque dans laquelle sont inscrits les films de Truffaut, enfin, on redécouvre Paris à un certain moment, on redécouvre les rapports aussi hommes-femmes, enfin, il y a...
voilà, c'est tout un cinéma de pareil, où il y a le mystère, la peur, la passion, enfin tous les thèmes chers à Truffaut et qui me sont aussi très proches. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué, quoi. Donc les comédiennes, le montage, le romanesque, à partir de quel moment vous vous dites j'ai envie de passer derrière la caméra? Vous aviez des velléités d'actrice, ben, vous avez été actrice, vous avez joué. Très peu, et pas forcément dans des choses, dans des j'ai vu Marie Pervenche, non, je voilà, me suis trompée. Dans des chefs-d'œuvre, si, si, Marie Pervenche, dans des choses, voilà. Marie Pervenche. Voilà, c'était bon, fallait un peu gagner sa Daniel Evnou, je crois, c'est Daniel Evnou. Ouais. Voilà. Daniel Evnou. Fallait un peu gagner sa vie. Les premières femmes de Jacques Martin. Oui. Donc une fois passé ce moment, il faut dire que c'était aussi à une époque où je jouais beaucoup au poker, donc fallait que je Non mais pour de vrai. Pour de vrai, donc fallait aussi que je puisse payer mes dettes souvent. Vous en gagnez pas, vous non, d'accord. Ouais, c'était pareil, chercher des impressions, des émotions fortes. Je pense que j'ai bien choisi de m'orienter vers le cinéma parce que ces émotions fortes, je les ai vécues après, sans avoir recours forcément aux pertes du poker. Et donc en fait, j'étais élève au conservatoire et j'ai des élèves de l'IDEC, l'ancêtre de la FEMIS, sont venus prendre des cours de direction d'acteurs. Et c'est là, en fait, où ils m'ont engagé souvent dans leurs films. Et c'est là où je me suis rendu compte que ils avaient une méconnaissance souvent des acteurs et ils avaient une manière de leur parler qui me paraissait complètement aberrante, pas du tout. Enfin bon, voilà, en tous les cas, les gens sur lesquels avec lesquels j'ai travaillé. Et donc je me suis dit, moi j'ai envie de faire un film parce que j'ai l'impression que je serais d'abord mettre l'acteur en avant et ensuite. Je me suis rendu compte que le découpage, les plans, la mise, enfin, ça me venait finalement, alors que je ne suis pas quelqu'un, j'allais dire, je n'ai pas tellement le sens pratique. Un appareil photo, je peux le mettre à l'envers, j'appuie jamais sur le bon bouton, je ne sais pas comment dire, mais la façon de découper l'espace, tout d'un coup, quand je suis en train de découper ou d'être sur un plateau, c'est comme si ça me paraissait, je suis dyslexique, c'est que toutes ces choses-là tout d'un coup disparaissent et j'arrive tenez à micro. Voilà, j'arrive à faire fonctionner mon cerveau normalement et à expliquer ce que je veux et les focales et la profondeur de champ, etc. Donc ça c'est venu comme ça, mais ce premier court-métrage je l'ai réalisé qui s'appelle La Mésange en 1982. Et je l'ai fait avec des la plupart, tous les chefs de poste, tous les camarades qui étaient à mes côtés étaient des élèves de l'IDEC, quoi. Et voilà, j'ai fait travailler Dominique Raymond d'ailleurs comme premier court-métrage, et puis d'autres acteurs. Voilà. Et donc, il y a eu tout de suite ce plaisir, ou c'est instinctivement cette façon-là de diriger un acteur ou une actrice? Il y avait ce goût-là déjà Finalement, ce qui est bizarre, c'est que dans ce premier court-métrage, je me suis rendu compte que ce n'est pas tellement les acteurs qui m'ont intéressé bizarrement. Ah oui, d'accord. Non, c'était plutôt effectivement le découpage. Il y a un vrai travail sur le. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps parce qu'il est passé j'avais eu de l'argent du GREC, le groupe de recherche et d'essais cinématographiques. Pour les premiers courts-métrages. Ils l'ont mis sur Internet. Et donc, j'ai eu le plaisir de le réécouter parce qu'il y a vraiment un travail sur le son qui m'a impressionné. Je dois dire, pas forcément le reste, mais parce qu'il y avait vraiment un souci d'un travail sonore qui était vraiment chouette. Et c'est, oui, le découpage en noir et blanc. Donc, il y a un côté très, très nouvelle vague. C'est marrant parce que là on sent toutes les influences, etc. Et le rôle de la fille est un peu mythifié, pas forcément. L'histoire est assez particulière, mais pas forcément creusée. Mais c'est surtout, j'allais dire, la façon de filmer que je trouve qui reste, quoi, plus que ce que ça raconte. Alors, 88, donc Poker, je ne sais que les longs métrages, 94, Les Amoureux, et moi je vous ai découvert, comme beaucoup de monde, en 99, avec La Nouvelle Ève, Karine Viard, qu'on découvrait aussi. Les Amoureux, j'allais dire, c'est le premier film dont je suis vraiment contente, parce qu'avant, il y a des gens qui font un premier film extraordinaire et qui, quelquefois, sont...
écrasée par le succès. Moi, mon premier film n'était pas du tout extraordinaire. Je me suis dit, oh là, il faut vraiment que je travaille pour. Voilà. Et je suis assez contente des Amoureux, qui est un film assez compliqué à trouver. Maintenant, je crois que les DVD sont. J'en ai même pas. Ils sont épuisés. Hein, je crois que les DVD sont à 400 euros sur Internet, voilà. Un truc comme ça, mais parce qu'il n'y en a plus. Ils payent autant que Poker, quoi, finalement. Hein, enfin, Poker, ils peuvent l'oublier, c'est pas grave. Mais, c'est un film, comme j'ai souvent dans mes autres films, à deux têtes. C'est-à-dire que c'est l'histoire du garçon qui découvre son homosexualité et de sa sœur qui rentre dans les Ardennes et qui est une fille un peu qui a fait la vie. Et c'est joué par Pascal Cerveau, dont c'est le premier rôle et qui a 15 ans à l'époque et qui est vraiment un adolescent très... très subtil dans son jeu, et Nathalie Richard qui a un rôle aussi vraiment très émouvant. Enfin, voilà, c'est un peu deux âmes perdues seules dans les Ardennes comme ça. Voilà, j'aime beaucoup ce film. Et ensuite, oui, alors j'ai beaucoup aimé faire ce film. J'ai eu une très bonne critique, mais le film a fait 15 000 entrées, je crois. Et à l'époque, je savais pas ce que c'était qu'une sortie de film. Donc je me souviens que j'étais sur le boulevard Richard Lenoir avec mon ami Cédric Kahn, et je lui disais, non mais ça va, les gens vont venir le lendemain, ils vont venir, et il me disait, non mais je crois que quand ça démarre mal, c'est que ça va pas. Je disais, ah bon, t'es sûr? J'étais persuadée que... Je disais, mais il paraît que les gens applaudissent dans la salle. Oui, mais bon, voilà. Donc effectivement, suite à ce film, je me suis dit, bon, il faut que je... J'avais envie de faire pas de faire un succès, mais de faire un film où j'ai compris que là, il y avait beaucoup de noirceur aussi dans ce film, dans les Amoureux. Je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire un film justement qui puisse amener de la gaieté, de la fantaisie, des choses que j'avais le sentiment aussi de pouvoir pouvoir avoir en moi et transmettre. Et donc j'ai écrit difficilement, parce qu'on l'a, ce film, ça a été arrêté plusieurs fois. Il y a eu des, ça, il a été très difficile à monter. J'ai eu la chance d'avoir un producteur un peu fou. Je crois que j'avais fait tous les producteurs de Paris et j'arrivais pas à faire le film. Et donc c'est Paolo Branco à l'époque qui a fait beaucoup de films d'une génération, c'est-à-dire de Laurence Ferreira, de Raoul Ruiz. Et donc Paolo, c'est lancé dans l'aventure avec peu d'argent, et on a tourné ce film à Paris, sur Paris, en 8 semaines. Et en fait, je me souviens qu'on a projeté le film, il avait un cinéma à l'époque pas loin d'ici, la République. Oui. Il a projeté le film aux gens de Arte, qui tout de suite ont dit, ah c'est super. Et donc il a retrouvé de l'argent un peu plus pour les finitions du film. Et le film avait été sélectionné au Panorama à Berlin. Et le film a été effectivement un succès, et donc c'était vraiment chouette, parce qu'c'était une comédie, mais en même temps, je revois pas tellement mes films, mais j'ai revu des petits bouts, et je trouve qu'on avait un parti pris avec la chef opératrice avec laquelle j'avais travaillé, qui s'appelle Agnès Godard. C'est que c'est vraiment un film qui est tourné beaucoup en plan séquence. Et que dans les comédies, finalement, quand on regarde, c'est souvent des chants contre chants, c'est souvent archi découpé, etc. Alors que là, il y avait vraiment, je me souviens de, parce que Pierre Lourageau savait pas tellement son texte, et souvent j'étais obligée d'interrompre les prises parce que je disais, mais non, mais il me disait, oui, mais Pierre, là, il aurait continué à tourner. Je dis, oui, mais il aurait continué à tourner. Ouais, continuer à tourner si tu produisais quelque chose de bien, là, dans tous les cas, voilà. Donc c'était beaucoup de plans séquences, qui étaient, il y avait beaucoup de, voilà, et c'est vrai que c'était la découverte de travailler avec Karine, qui était une actrice qui projette, enfin voilà, qui est, c'était. Comment s'est passée cette rencontre alors? C'est déjà à l'écriture, il y avait des mains. J'avais pensé à d'autres actrices. C'était à l'époque où pour ce rôle, j'avais une multitude d'actrices qui pouvaient jouer. Il y avait Jeanne Balibar, il y avait Sandrine Kiberlin, il y avait Valéria Bruni. C'est toute cette génération de. Ouais. Il y avait vraiment cette génération qui était là, c'était extraordinaire. Donc, c'est tombé sur Karine. Voilà, qui me connaît, enfin, on se connaissait un petit peu déjà, donc voilà, on a eu le plaisir de continuer à travailler ensemble, et c'est, enfin, parce qu'on s'était un peu comme ça, un petit peu discuté sur pas mal de choses, les avant-premières, on s'était croisés, et donc non, c'était un.
Il y avait un truc merveilleux parce qu'elle a, je trouvais dans ce rôle, elle avait un côté parfois presque chaplinesque, je trouvais. Elle avait un côté vraiment de je sais pas, sa manière d'être et tout était. Je me souviens d'une scène où je parce que je rajoute toujours des petites choses dans les films qui sont pas toujours prévues et elle devait avoir bu, elle passait dans les bras de plein de garçons comme ça et en fait elle me disait mais pourquoi tu me fais faire cette scène, ça lui plaisait pas du tout et du coup elle l'a joué dans une espèce de résistance et tout mais qui donnait quelque chose de très qui était très émouvant. Puis j'ai eu le plaisir de travailler sur ce film avec une monteuse exceptionnelle qui s'appelait Sabine Mamou, qui est décédée depuis, à laquelle j'ai fait la Nouvelle Ève et la répétition, et qui était une femme vraiment merveilleuse, qui a beaucoup travaillé avec Agnès Varda, qui a travaillé avec Jacques Demy, qui avait travaillé avec Ducastel-Martinot à l'époque, qui avait fait leur film... Jeanne et le garçon formidable et qui avait commencé comme stagiaire avec ça y est j'ai un trou mais bon celui qui a fait Belgance voilà donc voilà ah, c'était voilà ah oui, c'est mais pas, c'était oui, une femme même. De très très originale très particulière et vraiment avec qui c'était un grand bonheur de d'avoir monté la Nouvelle Ève avec elle quoi. Alors, on va pas faire toute votre filmographie. Donc, 2001, La Répétition, 2003, Marie mais pas trop, 2006, Les Ambitieux, 2009, Partir, 2012, Trois Mondes, 2015, La Belle Saison, avec Cécile de France et Higelin. Et 2018, donc, Un Amour Impossible, adaptation du roman, comment on appelle ça, une sorte d'autofiction ou de Christine Angot, et être face à... venez vous asseoir, ici il y a des places, il y a un banc vide et deux chaises, donc si vous voulez. Mais vous pouvez partir et revenir, oui. Et donc, comment se passe déjà la rencontre avec cette... je pense que vous connaissiez l'écriture de Christine Angot, ses ouvrages précédents. Mais là, c'est quand même une sorte de gros morceau, quoi. On peut dire ça. Elle vient juste de partir, elle le fait exprès. C'est ma productrice, en fait, Elisabeth Pérez, avec qui j'avais fait le film précédent. Qui m'a glissé le roman de Christine Angot entre les mains. Et évidemment, je connaissais, j'avais lu L'Inceste, j'avais lu Une Semaine de Vacances, j'avais lu, je ne sais plus, encore un autre roman d'elle. Et donc, j'avais l'impression que c'était quand même des ouvrages assez durs et assez crus et assez inadaptables. Et donc, Elisabeth me dit non, ce roman, lis-le. Bon, je mets un petit moment à le lire. Et bizarrement, effectivement, je l'ai pas lâché, je l'ai lu quasiment d'une traite. Et quand j'ai refermé le livre, j'avais des larmes aux yeux parce que cette dernière scène m'avait vraiment, après la dureté des rapports, après la violence, etc., il y avait quelque chose qui m'a saisi. Et je me suis dit, amour impossible, film impossible, actrice impossible à trouver. J'ai commencé à lire pourquoi tu m'as fait lire ce roman. Et puis je me suis dit, il y a quand même le parcours de cette vie. Bizarrement, c'est Christine Angot a quasiment le même âge que moi, donc ça retraçait aussi à peu près pareil, la vie de nos mères. Enfin, donc, il y avait quelque chose, la province, vivre seule avec sa mère, etc. Il y avait quand même beaucoup de choses qui faisaient écho à ma propre vie. Et puis, il y avait l'idée de se dire, il y a quelque chose de romanesque dans l'histoire de cette femme employée de banque, d'employée à la Sécurité sociale de Châteauroux, et qui finalement, alors qu'elle a une vie extrêmement dure et tout, mais quand même devient, à force d'intelligence, devient quelqu'un, se sauve de quelque chose, et est sauvée aussi par sa fille. Et il y a quelque chose quand même il y a un trajet de vie extraordinaire, c'est hyper émouvant. J'ai pensé aussi beaucoup, effectivement, de nouveau à Truffaut, parce que je me suis dit, avec un roman,
c'est magnifique, on peut utiliser la voix off, on peut faire on peut s'amuser à faire des ellipses de temps, à pouvoir travailler le temps, à pouvoir le. C'est un des gros défis quand même du film, c'est-à-dire cette traversée, c'est cette vie, ces différentes époques, quelle histoire privilégiée aussi, comment équilibrer, il y a quand même c'est un défi. Comment est-ce qu'on découpe quand même cette affaire-là ? Alors, je me suis fort engueulée avec ma scénariste. Christine Angot, vous avez travaillé ensemble ? Non, pas du tout. Je lui ai dit, Christine, vous êtes quelqu'un personnalité assez forte. Maintenant, laissez-moi m'emparer de ce livre. Je l'aime. Voilà, faites-moi confiance. Et elle m'a... Elle m'a complètement fait confiance. Elle a lu une version du scénario. On en a parlé un peu, mais sinon, elle n'est même pas venue sur le tournage. Elle a vu le film terminé. Il n'y a pas eu du tout de. Elle a aimé. Oui, elle a aimé. Sa mère aussi a aimé. Ça, c'était très. C'était plus important pour moi que sa mère aime le film que. Mais bon, pardon, elles ont aimé. Mais donc. Ma scénariste me dit, bon, on fait un plan, on fait ci, on fait ça. Je dis, attends, au secours, on va pas faire un truc scolaire. Il faut prendre cette histoire. De toute façon, il faut rentrer dedans, il faut la saisir, il faut travailler comme si c'était de la matière, comme si on était au montage. Donc, il y a des scènes déjà qui se qu'elles-mêmes dans l'écriture à réduite, d'autres qu'il va falloir qu'au contraire on étende. Voilà. Donc on a vraiment travaillé en travaillant cette matière avec ce début qui pour moi était très important parce que j'appelais ça le ravissement. Voilà, je me disais, cette femme, beaucoup de femmes de cette époque ont été subjuguées, ravies par des hommes qui... Bon, alors souvent, l'histoire, c'est que les hommes les laissent tomber, qu'elles sont enceintes, et puis voilà, l'histoire se termine là, l'histoire de Christine Angot et de sa mère, évidemment, elle va beaucoup plus loin et fait beaucoup plus mal et beaucoup plus terrible, puisqu'il y a l'inceste, etc. Mais dans tous les cas, il y avait cette période de ravissement où je me disais, cette femme, j'avais envie qu'elle puisse justement vivre et revivre à l'écran ce qu'elle rêvait le plus possible, c'est-à-dire d'être comme une héroïne de cinéma. Si elle va au cinéma et tout d'un coup, elle rencontre cet homme qu'elle pense extraordinaire, qui n'est pas de son milieu, qui lui amène tellement de connaissances, etc., même s'il est un peu parfois spécial et tout. Mais bon, le prix à payer en vaut la chandelle, croit-elle, dans tous les cas, dans ce début d'histoire. C'est pour ça que je voulais vraiment restituer ce début avec toute cette... toute cette force et ce... Il y a déjà des plans, il y a déjà des idées de réalisateurs ou des références comme ça qui surgissent ou qui On regarde les films qu'il y avait à l'époque, on imagine des choses, on regarde des plans je pense à des scènes de danse, je pense à des choses... Je pense, et bizarrement, je me dis, voilà, je veux pas faire un film justement trop... Je veux pas faire un film où le naturalisme et la noirceur vont faire qu'on va... Il y a ça qui se télescope quand même. On part dans un mélo et on rentre dans quelque chose de sordide. Je disais à mes collaborateurs, c'est Douglas Sirk, Kurt Odenz et Piala. Je lui dis, il faut qu'on arrive à... Bon, et je lui dis, allez, on met les références au maximum et puis après, on voit ce que... Non, parce que je voulais croire dans les décors, je voulais croire aux choses les plus... Et en même temps, il fallait pas que on n'avait pas de quoi non plus déployer le film, qu'on n'avait pas non plus autant de moyens que ça. Donc je disais, c'est le Titanic dans une cuisine parce qu'on a beaucoup de scènes de cuisine d'époque, mais c'est que des cuisines, mais c'est quand même de la reconstitution, mais c'est de la cuisine quoi. Mais non, c'était l'idée de effectivement, il y a ça se déploie au début, il y a ce truc comme ça qui pourrait faire croire à quelque chose d'assez romanesque, et puis tout d'un coup. C'est comme avec la voix off aussi, ça se griffe, ça s'abîme, ça devient plus cru, ça devient plus froid, ça devient plus sec. Et puis à la fin, c'est même dans le, on est beaucoup plus linéaire au début. Et puis après, on a des parties pris beaucoup plus abruptes. Et puis après, on arrive dans les scènes d'une manière qui est plus cut. La voix off disparaît un peu et on est dans quelque chose qui est plus abrupt tout le temps. Quoi. Mais est-ce que la question de se dire quelle histoire je raconte, est-ce que je raconte une histoire d'amour, est-ce que je raconte une histoire mère-fille, est-ce que ça, ces questions, vous les êtes posées dans l'articulation, dans les temporalités? Oui, mais c'est très particulier parce que je voulais raconter cette espèce d'histoire d'amour extrêmement déçue, je voulais raconter cette histoire du temps.
bizarrement, j'avais une espèce de rejet de l'histoire mère-fille. Et en fait, le film terminé, j'ai vu que c'est ça qui apparaissait le plus. Voilà. Donc, c'est toujours très étrange la façon dont on refuse quelque chose et en même temps, on ne filme que ça. Il y a des choses parfois qui nous échappent et qui sont beaucoup plus fortes. Et ce qui était le plus fort, effectivement, en plus, j'ai pris beaucoup d'attention à filmer les petites filles, l'adolescente, la personnage de Christine Angot plus âgée. J'ai une attention extrêmement. J'ai choisi à chaque fois les interprètes les meilleures, pas forcément celles qui se ressemblaient le plus, parce que je voulais vraiment qu'elles soient si particulières. Que voilà, et c'est pour la personnage de la jeune de l'adolescente. De l'adolescente, il y a trois personnes. Il y a elle enfant, elle adolescente, elle adulte, quatre. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'était un travail. Alors Kéfira, elle, vieillie tout le monde. Et je me suis un peu posé la question à un moment de prendre une autre actrice pour la jouer vieille, et puis très vite, en faisant des essais maquillage assez poussés. Qui sont des essais compliqués, hein, parce que c'est 7 heures de maquillage et une empreinte de voilà, c'est pas. Puis c'est de l'argent, donc c'est pas des essais qu'on fait en 2 minutes. Et voilà, c'est un peu un choix c'est tout de suite un choix, quoi, artistique. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que ça soit elle, il faut que ça soit ses yeux, il faut que ça soit son visage. Juste, il fallait que j'y croie, il fallait que ça soit suffisamment bien fait pour que je puisse m'approcher aussi de son visage, quoi. Mais c'est vrai que c'est cette histoire de vie qui m'a extrêmement bouleversée, parce qu'il y a aussi à travers cette histoire une histoire politique, une histoire de domination masculine et une histoire il y a des gens qui m'ont fait des reproches sur la dernière scène, d'autres qui aiment bien, mais parce que justement elle pouvait être un peu didactique ou un peu, mais il y avait cette volonté pour moi de dire que dans la dernière scène, après avoir... Tout le monde a vu le film ou... voilà, parce que le film se termine par une discussion entre... Ah non, on va pas spoiler, alors. Non, voilà. Non mais à cause de vous qui n'avez pas vu le film. Non, mais dans cette dernière scène, dans tous les cas, ce qui m'importait vraiment, c'était de justement, dans un film... On laisse l'émotion, etc. Et là, je voulais que ça soit la pensée conceptualiser la violence qu'elles avaient eue toutes les deux, de façon à pouvoir s'en sortir. Pour moi, cette scène était importante qu'elle soit, même si elle peut paraître un peu didactique. Je trouvais qu'elle était importante que, par rapport à la domination masculine, on en passe par ce moment de pensée et d'explication. Mettre ces mots-là la bouche de ces femmes-là, quoi. Ouais. Voilà. Préparez vos questions si vous en avez. On va passer un petit extrait, mais ça commence à cheminer. Le choix des comédiens, quelque chose d'assez crucial et d'assez, parce que c'est des comédiens moi que j'aime beaucoup, que j'ai vu dans d'autres films, dans d'autres registres. C'est quand même un rôle très important pour Virginie Efira, et c'est un rôle d'une ampleur quand même où elle montre beaucoup de choses. Nils Schneider, moi que j'adore. Quand même totalement, totalement étonnant, surprenant, parce qu'arriver à camper comme ça, une sorte de salaud intégral, c'est quand même. En plus, c'est quelqu'un qui est assez. Je ne sais pas l'âge qu'il a, mais il a. 30 ans. Voilà, il a 30 ans et il joue le rôle de. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que. Dans quel ordre vous les avez. Voilà. Alors, ça a d'abord été. Il fallait la trouver, elle. Je pense que c'était le plus important. J'imaginais pas du tout aller chercher Virginie Efira, que j'avais déjà croisée dans ma vie, et qui me paraissait, j'allais dire, être une actrice plutôt de comédie. Il se trouve que. Elle avait entendu parler du fait que j'avais adapté le roman, qu'elle l'avait lu, qu'elle en avait très envie de jouer ce rôle, et qu'on a réussi à se trouver lors d'une émission de radio. On était ensemble dans un festival à Angoulême, où je pense qu'elle a fait un grand numéro. Elle m'a fait un grand numéro de charme, m'a-t-elle dit après. Elle avait appelé son agent la veille en disant tu crois, etc. Et moi je me suis voilà. Non mais et voilà. Et après on s'est rencontrés. Je lui dis Virginie, je vois pas qui peut jouer ce rôle, donc tentons des essais. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire des essais? Parce que moi je vous ai jamais vu que dans une comédie. Des comédies, donc voilà, et elle a accepté de... Bon, je l'avais vu dans le film de Justine Triet, où je l'avais trouvé quand même exceptionnel. Et donc, elle a accepté de... On a fait vraiment une journée d'essai, très très poussée,
avec voilà du maquillage, des costumes, de la lumière, des partenaires vraiment qui m'ont donné la réplique. On a travaillé pas forcément les scènes du film, parce que souvent il y a des petites scènes ou d'autres scènes que je travaille pour pas abîmer tout le temps les scènes, pour donner un peu à manger aux acteurs sur d'autres choses et voir un peu comment ils sont. Et tout de suite, je me suis dit, y a un truc de... Voilà, c'est de ça. Et je dois dire qu'il y a quelque chose de très étonnant de comment elle joue le rôle, parce que un rôle pareil, un acteur peut un peu en faire des caisses ou peut un peu le tirer. Et elle a toujours joué... Ce que je dis, il y a des acteurs qui jouent le rôle et il y a des acteurs qui jouent le film. Et je trouve que Virginie, elle joue le film. Elle joue le film tout le temps. Elle joue la pensée du film. Elle joue le... Voilà, elle essaye pas de ramener le personnage au centre tout le temps. Voilà, et c'est ça, je trouvais ça extrêmement, extrêmement fort. Et il y a des moments où elle m'a vraiment surprise, notamment la scène où il vient et où il lui dit qu'il est marié et où elle se retient une fois qu'il part, qu'il a passé vraiment le pas de la porte, qu'il a disparu, elle s'écroule en pleurs. Et là, elle pleure jusqu'à aller chez sa sœur, où elle lui dit, mais elle est trop dure, la vie, elle est trop dure. Et quand on a fait cette scène, quand elle arrive chez sa sœur, on a tourné un plan séquence, et je pensais faire la scène 15 fois, et la première prise, je n'en revenais pas comment elle... Paf, elle était formidable. Et c'est cette prise-là que j'ai montée, quoi. Et par contre, on a refait quelques prises après qui étaient un tout petit peu moins bien. Donc c'est cette première prise où elle m'a vraiment étonnée, quoi. Donc après avoir choisi Virginie, c'était qui est voilà. Donc je suis allée vers d'autres acteurs. Hein, il y a des acteurs qui ont hésité parce que le rôle quand même était très très dur, le rôle de Nils, donc qui arrivait pas complètement à l'investir, enfin dans l'écriture. Il me disait oui, mais est-ce qu'on pourrait pas rajouter, est-ce que etc. Mais j'ai dit il y a pas d'excuse. Et puis c'est pas le point de vue, c'est pas son point de vue. Donc voilà, c'est... Et puis un jour, j'allais dire presque par un samedi, complètement désespéré en me demandant qui allait jouer ce rôle, j'avais par une copine le téléphone de Neil Schneider et je l'ai appelé. Et il m'a tout de suite donné rendez-vous, on s'est vu dans un café, je lui ai donné le scénario. Il devait donc passer des essais une semaine après à la maison. Et je me suis dit, mais il est beaucoup trop jeune, ça ne va jamais le faire. J'ai dit à Virginie, je suis désolée, je crois que c'est un peu des essais pour rien, mais je lui ai promis, etc. Et j'ai même appelé Nils en disant, écoute, je pense que ça va pas le faire, quoi. Et il est arrivé, j'ai revu les essais l'autre jour parce que j'ai fait un truc à la cinémathèque avec des profs sur la direction d'acteurs, etc. J'ai montré les essais de Nils et Virginie, c'est-à-dire dès la première prise entre eux. Il y avait un truc, mais c'était dingue, quoi. J'ai passé 3 heures à travailler comme ça avec eux, et j'ai même pas dit à Virginie, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai dit, ça y est, c'est lui, quoi. Pour moi, c'était d'une évidence. Elle m'a regardé, j'ai dit, bah ouais, écoute, voilà. C'est sûr, sûr et certain. Et je les ai emmenés dîner, emmenés déjeuner en bas de chez moi. J'étais hyper... J'étais vraiment comme soulagé. Quelque chose qui est évident, c'est super, quoi. Je vous propose qu'on voit un extrait du film comme ça, parce que c'est vraiment un face à face comme ça avec les deux comédiens. On vient d'en parler et puis on continue la discussion après. La scène de la fin, elle est dans le livre, ça se passe sur 3 jours. Et moi, j'ai essayé que ça soit 3 moments un peu dans la même journée, parce que j'ai un petit peu transformé ça. Le texte est très, très, très... Ça occupe une grande partie quand même du livre. Et déjà, nous, la scène de la fin, elle fait 8 minutes, donc ce qui est déjà une scène assez importante. En plus, c'est vraiment...
une scène de. Enfin, j'ai choisi de la mettre dans un café. Mais oui, elle était aussi dans un café, mais peut-être plus petit. Moi, je fais une grande brasserie. Et effectivement, c'est quand même une discussion à deux, très intime comme ça. Mais j'ai plutôt réduit le texte, retravaillé, transformé un petit peu des choses. Mais quand même, je suis resté assez proche de ce qui était écrit dans le roman. Ce qu'il a fallu, c'est comment. Qu'est-ce qu'on choisit ? C'est toujours pareil, le point de vue enfin, mon point de vue comme metteur en scène par rapport à ce roman, les questions, ça a toujours été qu'est-ce que je choisis ? Qu'est-ce que je retranche ? Qu'est-ce que je garde ? Il y a des ponts, il y a des choses, effectivement, que j'ai un petit peu reconceptualisées par rapport à l'époque, etc. Notamment, je parle de ça parce qu'il y a quelqu'un de la déco qui est là, mais il y a une scène de fête foraine dans le film qui n'est pas du tout dans le roman et auquel je tenais beaucoup parce que cette fête foraine évoquait des choses pour moi et que je trouvais que c'était aussi un lieu qui pouvait être très important où il lui disait des choses assez terribles, genre qu'il se marierait jamais, etc. Et que pris dans le truc de la gaieté, il y avait quelque chose que je trouvais intéressant. Quoi. Donc voilà, donc c'est un décor qui était compliqué à faire parce que d'abord tous les manèges de l'époque arrivaient là. On n'y avait pas forcément accès parce que c'était trop cher. En plus, il y a des conditions de sécurité que même à l'époque, aujourd'hui, etc., pour mettre des figurants ou des gens dessus, des acteurs. Donc on a réussi à faire une fête foraine avec peu de choses, mais qui me fonctionne bien, je trouve. Parce que je reviens sur l'extrait qu'on vient de montrer. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est encore une fois ce tableau. Alors déjà la façon dont est prise à scène avec cette sorte d'accident, ce capot, et qui a un côté et comique en même temps. C'est comme si une histoire d'amour pouvait basculer comme ça aussi rapidement que ça. Comme on pouvait basculer du bonheur, ben ça annonce déjà tout le côté un peu vénéneux, mortifère de la relation. Et j'aime beaucoup comment on peint comme ça un tableau un peu idéal avec des corps qui sont très beaux, des visages. Les comédiens sont vraiment très bien filmés. Puis au milieu de ce repas là, mais une sorte de méchanceté de terrible. Et je trouve que c'est le film vraiment. Il y a ces pics là et on est avec le personnage de Rachel et on se dit mais comment on encaisse ça? C'est la question qu'on se pose pendant tout le film. Comment elle peut être sourde à, comment elle peut accepter ça en fait? Là, il y a une espèce d'économie de presque, c'est dessiné un peu comme une carte postale, ces moments-là, puisqu'à la fin, même elle est avec sa fille à un moment, quand sa fille est un peu plus grande, et où elle lui remonte des images de ses vacances, où elle dit que ça a été des vacances extraordinaires, que ça a été magnifique, alors qu'on voit bien que c'est quand même des vacances où elle arrive, elle est enceinte, elle attend une parole de lui, et la parole qui va tomber, c'est terrible. Donc on voit bien que c'est la façon dont elle mythifie ce moment, et c'est pour ça que le film joue tout le temps entre l'imagerie par moment et puis en même temps la dureté d'une phrase qui peut effectivement tout faire basculer, quoi. Comment est-ce que vous avez... Et je tenais beaucoup parce que dans l'histoire, effectivement, c'était cette petite 4 chevaux. Et c'est vrai que j'aurais pu aujourd'hui me dire, tiens, je vais mettre une belle bagnole, je vais pouvoir décaler, puis que ça soit encore plus, etc. Mais je trouvais ça tellement désuet parce qu'ils ont pas beaucoup d'argent, même si lui, il est peut-être un petit peu radin, j'en sais rien, je sais pas. Mais dans tout cas, je trouvais que cette petite 4 chevaux, je sais pas, il y avait quelque chose de qui racontait aussi ce que c'était ces années, la fin des années 50, etc., que c'était pas les gens, ils avaient même peu de temps après la guerre, finalement, déjà partir en vacances, avoir une 4 chevaux, c'était déjà quelque chose, c'était pas forcément, j'aimais bien ce décalage, quoi, dans tous les cas, dans ce décor hitchcockien, on pourrait croire, de la rivière. Tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais on est dans Hitchcock, dans ce qu'il y a de plus aussi, dans ce qui peut basculer et dans ce qui peut faire rire et faire peur en même temps. Ouais, mais je disais, on a un film avec une cascade, mais c'est une cascade qui est aussi un petit peu ridicule, mais qui est quand même une cascade. Ouais. Donc voilà, c'était cette chose que je trouvais... Comment est-ce que vous avez travaillé, là par exemple, cette scène de repas avec Nils, lui, comment il est arrivé à trouver quand même ce personnage
Et y a quelque chose quand même dans les attitudes, dans le regard, dans une façon de ne pas la regarder, dans une façon de la regarder. À tous ces moments-là, moi, je trouve d'une justesse incroyable. C'est amusant parce que l'extrait dont vous parlez, là, qu'on a regardé, en fait, c'est les deux premiers jours de tournage. Donc c'est le moment vraiment où on est en train de s'apprivoiser et de s'ajuster, quoi. Et je me souviens que je faisais des très gros plans de Virginie et que tout le monde était là, ah, mais c'est très gros plan, c'est de peau, machin, attention. Et je dis, ouais, mais moi j'ai envie de ce truc, elle va scruter cette réponse. Et c'est voilà, on est comme ça, tu vois, elle est tellement. C'est, pour moi, c'était important. Puis de lui, de le voir mastiquer, de le voir manger, d'être concentré que sur la nourriture. Il est vraiment. C'est un détail aussi qu'il y a dans le livre où on sent qu'il aime beaucoup manger, qu'il est là, donc il est concentré que sur la nourriture. Il la regarde à peine et il lui jette ce truc. Et en disant toujours comme il est, il dit : mais je t'ai toujours prévenu, je t'ai toujours dit que. Et à la suite de ça, elle est sans voix, elle le regarde. Et il y avait ce truc de Virginie qui au début, donc comme on dit, on s'ajustait, etc., comme c'est une actrice quand même de comédie. Les premières prises, elle marquait beaucoup plus. Et là, je suis arrivée, je dis, oh là, mais je dis, Virginie, faut être. C'est... Ah, et là, elle a compris. Elle m'a dit, ouais. Et puis après, elle m'a dit, ah, t'as peur que je fasse du. Non, non, je dis, non, j'ai pas peur, je sais que tu comprends, etc. Et donc, elle a tout de suite, elle a rebasculé dans quelque chose de beaucoup plus. Mais je comprends, au début, on se connaît pas, les acteurs vont vers des réflexes ou des choses, etc. Nils, il est très, très traqueur. Très très angoissé. Voilà, à la fin, il a mangé, je sais pas combien de langoustines. il en a vomi. Mais ouais, il a... Mais même, je dirais, même physiquement, le défi physique entre les deux, parce que elle est quand même assez. C'est une femme, qui est campée comme ouais, ça, ouais. Qui a des formes, et lui est fait. Peut vite faire lycéen ou étudiant en fac, quoi. Je sais pas. Comment vous avez travaillé ça, en fait. En fait, ce qui est amusant, je pense, c'est que comme c'est un film d'époque, on a beaucoup quand même, on a eu beaucoup de rendez-vous en amont. Des fois, des rendez-vous qu'on n'arrive pas à avoir avec les acteurs parce qu'ils sont toujours pris par plein de trucs. Mais comme là, il y avait beaucoup de rendez-vous en amont sur les perruques, les cheveux, comment ce qu'on allait faire, etc. Par rapport au temps qui passe, comment on allait faire, et puis sur les costumes. Donc beaucoup d'essayages, beaucoup, etc. Donc entre Nils, donc le fait de Nils, il était carrément maniaque de savoir le pantalon, le t-shirt. On voyait beaucoup de films. J'ai montré des choses avec Maurice René. Et tout d'un coup, ce fait de j'ai l'impression, et même Virginie, d'apprivoiser le personnage avec les costumes en disant bah non, ça oui, ça non, ça pourquoi et pourquoi pas et nana. J'ai l'impression de se parler. Du coup, ça a donné une espèce de travail. Qui était presque comme si c'est arrivé par le physique et que du physique c'est voilà je sens puis qu'il y a eu une vraie rencontre aussi entre eux dans le jeu de vraiment d'un plaisir de c'est horrible parce qu'il me disait ce personnage il est atroce mais souvent les personnages atroces les acteurs adorent les jouer aussi parce que c'est fascinant d'aller loin dans quelque chose, dans quelqu'un d'horrible, etc. Parce que voilà, c'est de creuser l'âme humaine, je pense que... Mais je sais qu'à un moment, Nils, il me disait, mais j'en peux plus de ce personnage, je veux arrêter de ce film, j'en peux plus. En même temps, j'adore ce tournage, mais je peux plus. Il était pris dans quelque chose qui était de l'écœurement et du... Voilà, mais sur le début, je crois qu'il y a... Dans cette scène-là, il y a des prises où il éclate de rire à la fin parce qu'il dit c'est horrible, comment je peux dire un truc pareil, etc. Donc il était obligé de sortir quelque chose de. Mais parce que c'est en plus le personnage, c'est quelqu'un qui pontifie, qui est apparemment très cultivé, et puis qui fait la même chose avec sa fille après. Donc fallait qu'il arrive à avoir ce côté un peu suffisant. Mais oui. Voilà, c'était pas non plus. En plus, je lui ai pas donné des milliers de textes, donc fallait quand même qu'il arrive juste comme ça, par sa présence, par quelques fois phrases, des choses assez. Ouais, c'est assez subtil. Mais ce que je dis, ouais, comme c'était vraiment le début du tournage, donc ces deux premiers jours, et qu'on avait en plus beaucoup de décors dans la. Enfin, que c'était assez compliqué, on était dans le sud, on est parti deux. Enfin voilà, tout était à la fois millimétré, tout était.
Et puis voilà, c'est un film où il y a quand même pareil beaucoup de décors, donc il faut pas louper une scène. Si on loupe une scène, on est vraiment dans donc c'était il y a une espèce de challenge comme ça à tenir qui était assez compliqué. Et de même là, on a un bébé qui arrive. Normalement, on n'a pas le droit de tourner avec des bébés. Et on a eu la chance de pas parler les gens de Châteauroux, de connaître quelqu'un dont voilà, et on a eu un bébé de 3 jours qui est arrivé comme ça sur le plateau, pop. et on a tourné avec ça, c'était pareil, c'était, et puis le regard de ce bébé est absolument incroyable. Et donc ça, c'était assez merveilleux aussi. C'est les, mais le, et pareil, je trouve que Virginie, je lui avais montré des photos, enfin de, mais la façon dont elle est, parce que vraiment tout d'un coup le bébé arrive, il faut tourner, etc. Et elle est tout de suite, elle est là, on lui met une chemise de nuit, le bébé il va rester une heure, hein, même pas, donc et tout de suite je trouve qu'elle a ce visage, elle a le truc de la, vraiment de quelqu'un qui vient d'accoucher, elle a un truc quand même de fatigue, et elle l'a trouvé comme ça tout de suite. C'est pareil, c'est quand même pareil, assez subtil, je trouve, comment elle le fait, et c'est vraiment super, quoi. Vos questions? N'hésitez pas, pour ceux qui ont à venir. Ce que vous avez aimé ou pas aimé, hein, c'est pas non plus dans le... Oui. Bon, moi déjà j'ai adoré le film et il m'a donné envie de lire le roman de Hango que je connaissais pas. Et après lecture, j'ai encore plus aimé le film parce que j'ai vu la finesse de l'adaptation. Et je me demande à quel point c'était conscient, ou peut-être que je me trompe complètement dans mon impression, mais j'ai l'impression que le livre de Hango, c'est son point de vue, donc le point de vue de la fille dès le début, même avant sa naissance. Et ça, c'est impossible évidemment de le faire en film, et que dans le film, du coup, c'est beaucoup plus le point de vue de la mère. Et que le moment où Christine Angot, jeune adulte, Chantal dans le film, prend un rôle plus actif dans la dernière partie du film, j'ai trouvé que du coup ça rendait ce décrochage encore plus fort et même violent. C'est-à-dire qu'on a eu la violence de cette relation qui est un peu atone parce qu'elle est... assumée par la mère alors qu'elle en souffre énormément, et le fait de voir toute la sociologie et le discours de la fille arriver à la fin, c'est une espèce de violence elle aussi, mais qui venge de toute la violence qu'il y avait avant. Et même s'il y a ce fonctionnement dans le livre, le fait qu'on se sente beaucoup plus en proximité avec la mère dans le film, ça me semblait encore plus fort. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous... Dans tous les cas, c'est sûr que le mon intention était vraiment de faire le portrait de cette mère. C'était vraiment d'être de son côté à elle, effectivement. J'allais dire même au départ, encore plus, parce qu'au départ, je voulais même que la voix off soit une voix off qui soit une voix off de narrateur. Et puis, en fait, j'ai été rattrapée quand même par le roman et par le... Et sûrement pas... Enfin, voilà. Donc j'ai changé de point de vue sur la voix off, puisque donc c'est la voix off de la fille de Christine Angot. Mais c'est vrai que pour moi, le film, il y avait quelque chose de... Il y a quelque chose peut-être effectivement de plus terrible dans le roman, de la manière dont elle est, la violence de la fille peut-être envers la mère. Et moi, j'avais envie d'accompagner plus cette mère et de montrer comment elle avait pu ne pas voir, quoi, et vraiment d'être assurément de son côté à elle, quoi. Et je voulais saluer Marie-Pierre Delabrière, parce que je parlais du bébé tout à l'heure, puisqu'on a vu un extrait du film avec ce bébé, puisque c'est grâce à toi que nous avons eu... C'est son bébé. C'est pas son bébé, mais c'est grâce à elle qui a fait le bébé volé, qui a fait le casting de la figuration sur le film et qui a réussi à ce qu'il y ait un bébé de 3 jours. Voilà. Et merci de ce que vous avez dit sur le film. Voilà. Oui. Je voulais revenir sur, vous avez dit tout à l'heure que on vous a reproché au début de filmer trop le regard en gros plan de Virginie Efira, peut-être. Et moi, je trouve justement, parce que c'est un peu le fil rouge, parce que je l'ai vu il y a 6 mois, donc j'ai l'impression que c'est très loin déjà, et il faut que je le revoie, je vais l'acheter. Et que c'est un peu le fil rouge du film,
Et ses regards, ses yeux, à chaque fois, on voit qu'elle se consume, qu'au début, elle est très joyeuse, très gaie, très enthousiaste. Puis après, elle se consume tout en étant très, très forte. Et finalement, je crois que vous avez bien fait. Et ça, dans le roman que j'avais lu, évidemment, on l'imagine pas comme ça. Enfin, on l'imagine pas aussi bien que vous l'avez montré. Donc ça, je crois que vous avez vraiment bien fait. C'était parce que c'était le premier jour de tournage et comme je filmais Virginie très gros plan, tout le monde disait oh là là, attention, parce qu'elle doit à ce moment-là avoir l'air d'avoir 27-30 ans et que tout le monde disait mais tu l'avais, elle en a 40, attention, la filmant, etc. Et moi je me disais de toute façon, si le film c'est une croyance, c'est-à-dire si on croit à l'histoire, à un moment quand on va être dans l'histoire, on va y croire et puis on va pas et puis ça va marcher parce qu'on a suffisamment d'astuces avec le maquillage, la coiffure, etc. On fera peut-être quelques petites retouches en minime en numérique parce qu'il faut pas non plus que ça se voit trop, sinon on part vraiment de l'autre côté. Donc voilà, donc j'avais cette croyance là, mais il y avait, comme on commençait par ça, tout le monde était inquiet des petites rides, des machins, etc. quoi. C'était plus par rapport à quelque chose par rapport à l'esthétique, et voilà. Mais moi, ça me faisait pas tellement peur, quoi. De même que le rapport entre Nils et elle, hein, à partir du moment où le metteur en scène doit donner de la vie et doit impulser le fait de croire à quelque chose. Et ça, je me dis, si on est voilà, c'est mon boulot. Il faut donc moi, si je suis persuadé de ça, je vais en persuader le reste du monde. Oui. Votre réalisation de la comédienne, vous faisiez beaucoup de répétitions avant, beaucoup de discussions, et comment on fait ? Avec les acteurs en général ? Ouais. Je dis sur le film, dans tous les cas, on a travaillé beaucoup en amont, grâce, je disais, au fait d'avoir des essayages, des costumes, etc., de tout. Mais sur le plateau, alors là, ce qui a été formidable, c'est qu'on ne répétait pas, on tournait tout de suite. J'avais une chef opératrice, donc Jeanne Lapoirie, qui est hyper rapide. Et ça, c'était un truc, c'est-à-dire que je ne voulais pas que les acteurs s'installent quelque part, parce que on avait très peur que le film d'époque fasse quelque chose, la reconstitution, on joue l'époque, on fait. Non, on disait, on s'en fout, même s'il y a des moments de jeu, ou même s'il y a une petite impro, un truc qui dépasse, il faut tout de suite. Donc on tournait très, très, très vite, mais par contre, je faisais énormément, enfin, je faisais beaucoup de prises, c'est-à-dire que je faisais une quinzaine de prises parfois pour vraiment que les voilà, qu'on ait de la matière et chercher cette vérité, chercher quelque chose de vivant, quoi. Parce que c'est pareil, la reconstitution, on a toujours peur que tout d'un coup ça devienne un peu pesant, que ça devienne voilà, qu'on ne voit plus que le costume, le décor, que etc. Donc fallait vraiment trouver quelque chose fallait pas qu'on se préoccupe dans tous les cas, c'était maintenant ce qu'on tournait, ce qui était à l'écran, c'était maintenant, quoi. C'était pas un truc d'époque, etc. C'était là comme ça, ce qu'il fallait filmer, quoi. La question du temps qui passe, des différentes époques, périodes, est-ce que vous l'êtes posée, ou même au niveau de l'ellipse, en se disant, bon, est-ce qu'on va raconter chaque époque, ou est-ce que, par rapport à l'équilibre, encore une fois, du film, est-ce qu'on peut faire l'économie de, ou est-ce qu'on va y croire jusque, ou je ne sais pas. Est-ce que ces questions-là se sont posées? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'âges qui défilent, d'âge de cette mère, d'âge de cette fille, et physiquement, et au niveau de l'époque même, tout simplement, des décors. Bah, je pense que ça a des vraies questions de... Bah, c'était assez merveilleux parce qu'on avait un grand mur. Comment ça s'appelait là? Il avait une grande fresque. Une frise avec les époques du film, ouais. Les accessoires qui correspondaient à ces, ouais, époques, des références de films, des, ouais, des voilà, on a baigné comme ça entre des films, des acteurs, des publicités, des choses, etc. Et puis effectivement, il fallait que ça reste tout d'un coup, c'est une voiture, oui, c'est, oui, l'enfant qui se transforme, c'est par un costume, par un élément de décor, par des papiers peints. En même temps, il fallait que ça reste discret aussi, parce qu'il fallait pas qu'on fasse le jeu des 7 erreurs et de ah paf paf paf, etc. Ça me rappelle ça et ça, et qu'on soit dans un truc bing bing bing, j'ai tout bon, j'ai répondu à toutes les cases. Donc fallait que... Et puis on s'amusait beaucoup avec la déco, avec aussi des, dans une vie, on a toujours des choses qui restent. Des petits éléments qui restent, je sais pas, un cendrier, un petit tableau, des choses de la vie de la mère d'avant, enfin, etc. Donc
C'était, voilà, c'était... Donc, je pense que ce film est empreint de nostalgie, de souvenirs, de la propre nostalgie de des films aussi. Donc, il y a quelque chose comme ça. Moi, j'avais après l'impression à chaque fois d'abandonner des films pour d'autres. Je veux dire, de passer du cinéma, de traverser comme ça des époques. Donc c'est ça aussi qui était extrêmement émouvant. Et puis on avait beaucoup chacun presque des photos de famille, des choses de tout le monde a ressorti un peu les. Enfin, on dit, ah, mais ça me fait penser à ma mère. Ah, bah, regarde, moi, j'étais comme ça. Tout le monde a amené ses photos. Bah, tu vois, j'étais comme ça, moi, à cette époque, ou etc. Ou t'as vu, j'étais. Voilà. Donc, il y avait quelque chose comme ça qui était très, très amusant aussi, et très émouvant. Les téléphones, les objets, tout le monde arrive à dire, ah, bah, ça me rappelle. Ah, oui, ah, des boîtes de biscuits, je sais pas. Enfin, voilà, c'était assez. Voilà. D'accord. Une dernière question. Il manquait que la Madeleine. Je vous ai fait choisir, Catherine, quelques films dans la boutique qu'on a mis sur la table. Je vais en prendre trois au hasard. Parce que je les ai tis un peu en tête. Il y avait un film de Fassbinder qui s'appelle Le droit du plus fort. Ouais. Voilà. Dire quelques mots. J'allais dire Fassbinder, c'est le côté fable, c'est le côté politique, c'est cette qui m'a toujours fascinée, c'est son engagement aussi de lui comme acteur dans ce film où on le voit au début je sais plus si c'est au début à la fin parce que je l'ai qui meurt là dans la gare là puisque c'est le moment où il est. Elle doit du plus Ah oui, d'accord, oui. Quand il est, il a tout donné à son mec, il se fait déposséder, etc. Oui, exact. Je sais plus s'il se retrouve, enfin dans tous les cas, si, son petit mat, il est mort dans le. Alors moi, pour moi, le droit du plus fort, c'est avec cette histoire d'amour entre immigré, cette. Ah non, c'est tous les garçons s'appellent Ali. Ah, tous les autres s'appellent Ali. J'ai complètement. Tous les autres s'appellent Ali. Le droit du plus fort, c'est vraiment ce garçon qui a gagné de l'argent, une loterie, etc., qui épouse justement qui vit avec un mec d'une classe plus importante que lui, dont l'entreprise est en faillite, l'entreprise des parents. Finalement, il lui donne tout son argent. Il se fait moquer par les parents parce qu'il n'a aucune manière de vivre. Il ne sait pas ce qu'il faut manger, comment se tenir, etc. Il se fait dépouiller de tout et à la fin, on le retrouve mort. C'est un film d'une violence extrême sur le rapport de classe. De classe, une violence sociale. Et c'est extrêmement toujours... très, très émouvant et c'est Fassbinder qui joue et il est incroyable quoi. Il est vraiment toujours sur les rapports de classe ou de domination. Il y avait Match Point de Woody Allen. C'est un Woody Allen, que j'ai vraiment qui m'a vraiment saisi quoi parce que et qui a marqué. Je trouve que c'est une période charnière un peu dans sa filmographie. C'est un film qu'il a tourné en Angleterre. Cette période là. En dehors ou après il a commencé à tourner un peu partout en Europe. Et c'est vraiment la façon dont pour paraître pour un truc de classe on est prêt à commettre un meurtre c'est le film c'est le premier film avec comment elle s'appelle cette actrice Alyssa Johnson qui est absolument splendide quand elle fait l'amour avec lui là dans les champs la première fois. C'est une sensualité incroyable et la façon dont il va s'en débarrasser c'est emprunté quand même à pas mal de films. Oui, il y a Crime et Châtiment et puis il y a ce film avec je me souviens plus c'est pas Sous le soleil, comment s'appelle là, le film avec Anthony Perkins avec Anthony Perkins et Ashley Winter où c'est pareil, où il tue sa femme pour arriver dans une famille il y a un parallèle dans tous les cas avec d'autres films américains. Il faut que je retrouve, il faut qu'on retrouve. Mais c'est le film est il est vénéneux au possible et il y a toujours ce truc de... Mais c'est curieux parce qu'il avait été surpris du succès de ce film là, il n'avait pas eu l'impression de faire une sorte de film
énorme et tout ça, alors que je trouve qu'il a... C'est un film qui vieillit très bien en plus. À l'inverse de certains de ses films maintenant, où je trouve que les fins sont un petit peu lâchées ou un peu bâclées, j'allais dire, le film, il tient du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la proposition du film, elle est voilà, le fait d'usurper un... Enfin, voilà, c'est le film des masques, de prendre le masque de quelqu'un d'autre, de Ah non, c'est un film vraiment formidable. De Woody Allen, ce film-là, justement, il le sauve parmi les 4 ou 5 parce qu'il est très sévère avec sa filmographie et je crois qu'il l'aime beaucoup parce que c'est la version achevée d'un de ses préférés d'avant qui est Crime et Délit. Voilà. Et en fait, il fait une version. Crime et Délit, c'est bien avant quand même. Bien sûr, mais c'est déjà un peu le même thème. C'est-à-dire qu'il revient à un thème qui lui est cher en fait. Et c'est vrai que moi je vois des rapports entre McCoy et votre film. Crime et Délit, c'est pareil, c'est un film magnifique, c'est génial. Ouais. Comment il tue sa fiancée, comment il fait appel à son frère qui est un voyou de la mafia, etc. Ouais. Et comment il... Mais c'est assez lié, je trouve que c'est très cohérent Matchpoint avec votre film aussi. Parce que finalement, ce que votre film réussit à faire comme Matchpoint, c'est de rendre très crédible une passion amoureuse au premier degré. Et le fait que l'homme ne veut pas du tout l'assumer et il cherche quelque chose d'une production sociale les mène à des extrémités absolument épouvantables. C'est vrai que la bourgeoisie dans tous ces milieux est montrée d'une manière assez épouvantable. Le dernier, c'est alors Bande de filles de Céline Sciamma. Alors, c'est pas mon préféré, c'est une tienne. Ouais, mais Bande de filles, je l'ai vu qu'une fois que le film allait presque sortir de l'affiche, et j'ai été tellement contente de voir toutes ces jeunes actrices noires qui sont, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a transportée. Je me suis dit, voilà, c'est une tienne, elle ose faire ce film, elle y va, je trouve que ces filles sont incroyables, ça m'a donné une pêche, j'ai trouvé ça, je sais pas. Sur la façon. Ouais, je sais qu'on a pu critiquer choses sur la fin, des choses. Mais le film m'a beaucoup, beaucoup plu. J'ai trouvé que j'aime l'audace de Céline Sciamma, j'aime la façon justement, ces films sont très droits, elles défendent une idée, un principe. Il y a cette espèce de meute au début, ces filles là qui sont en train de faire je sais plus quel sport là elles font là avec les casques etc. Là elles sont, puis après elles retirent la scène est superbe, la scène d'entrée avec la musique. Tu sais où elles ont leur. Je les vois sur le parvis de la Défense. Après il y a la scène du parvis etc. Non, le film m'a beaucoup séduit pour cette façon tout d'un coup que le cinéma français faisait un peu une irruption dans le film de genre aussi, dans le film de banlieue, en filmant ces femmes, en donnant cette parole à ces filles. Et je trouve que c'est vraiment, voilà, j'aime son audace, j'aime le film, il est hyper vivant, ces filles, elles sont tellement drôles, elles sont formidables, et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup, ça m'a vraiment impressionné. J'étais fière que, voilà, qu'il y ait une jeune cinéaste qui fasse ce genre de film, donc ça m'a beaucoup plu. Même s'il y a des imperfections, je trouve que le geste est plus fort que... Et voilà. Dernière question, les projets Les projets, c'est d'essayer de après deux films d'époque, c'est d'essayer de faire un film contemporain. Et d'un film très contemporain, et d'essayer de faire un film politique. Voilà, mais on va voir. D'accord. C'est en écriture, c'est en... Oui, oui. Ah ouais. D'accord. Okay. C'était déjà un film politique, mais disons, voilà, encore plus... voilà. Pour voir si on peut y arriver en France aujourd'hui. D'accord. Verra. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.